Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve donc pour le cinquième épisode de Final Fantasy XIII, hein, que je tourne à la suite du quatrième, parce que j'avais envie de tourner, donc j'ai un peu farmé pour des vaporisateurs, sauf que j'ai pas eu grand chose, j'ai eu un peu de fortifiant, mais surtout pas mal de furtifs numéro 6, donc j'en ai 10, mais c'est vrai que je n'ai pas pu aller beaucoup plus, enfin j'ai pas, voilà, je voulais pas trop farmer quand même. Mais bon, moi j'ai vu quelques petits trucs, on va aller dans les événements, et on va lire le dernier. Dans l'ombre des Lucy. Donc l'armée prend le contrôle du vestige par les armes, deux jours plus tôt. Un groupe de recherche de la Psycom l'a découvert et s'est lancé dans son exploration avant de s'y trouver pris au piège. Lightning et Saz ne redoutent nullement les soldats du Sanctum, mais plutôt le False Sea tapis en plein cœur du vestige et ses serviteurs, les Lucy du bas monde. Ceux-ci sont des êtres perturbateurs et méprisables. Les citoyens entrant en contact avec eux doivent être déportés de Cocoon, car on redoute qu'ils ne se changent eux aussi en Lucy. Hope qui a une peur intrinsèque des Lucy entend Snow crier. Voilà enfin l'opportunité pour lui de le faire payer pour la mort de sa mère. Il craint pourtant d'accepter cette réalité. Voilà pour ce qui s'est passé un peu la dernière fois. Pour le petit résumé. Donc on va pouvoir continuer, mais avant je prends un petit coup de coca. Voilà, on va pouvoir continuer. Ouais, non, c'est bon. J'aurais aussi pas tardé à sortir un épisode d'Assassin's Creed aussi. Je vais essayer, je ne sais pas quand, mais je vais... Peut-être avant, peut-être après, enfin bon, c'est vrai, mais faudrait que je les sorte au moment où je sors cet épisode, comme ça la suite du quatrième. Je n'ai toujours pas sorti cet épisode d'Assassin's Creed, donc je ne sais pas si ça sera le cas lorsque cet épisode sortira, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je ne peux pas le savoir. Voilà, bon, c'est pas très sympa, il ne donne pas de vaporisateur. Donc, sans gills. C'est moi, c'est un petit peu ramé là. Je vois peut-être mes yeux. Donc voilà, Snow nous a rejoint et il est passé en leader. Donc ça voilà, des ghouls qui sont des 6, qui est un peu l'évolution, la transformation des Lucy qui ont raté leur mission. Donc c'est pour ça que voilà, en fait on s'en sort en monstre. Donc c'est pas très réjouissant, hein, les Lucy. You get in here. You gotta leave. Okay, listen. Find some place to hide and keep quiet. Once I find Sarah, we'll all leave together. You'll be home in time for dinner. You... Wait! Who's Sarah? My wife. Future wife, that is. She's a Pulse Lucy. No. She's here somewhere, along with that foul sea. I gotta find her and set her free. What's wrong with you? Why do you want to help a Lucy? They're the enemy. Huh? How can you save a Lucy? And not... That's insane! Probably. But I gotta do something, right? I'll be back. Should we wait around for him? And hitch a ride? I'd rather go to Pulse!
Why is this happening to me? When they found the foul sea the other day, we were just visiting Bodom. Mm. But the army took us, threw us on that train. Because of that guy, Mom is... Probably shouldn't leave them alone. And he wants to help us, see? Hey again. Hey. Let's go with him. What? You gotta talk to him, Hope. If you don't take this chance, you'll regret it forever. Okay. Okay. Let's go. What's gotten into you, soldier? Thought you came for a fight. My sister. Your sister? She's a Lassie. What? A Pulse Lassie? The Falcee has her captive, but I'll find her. Is she still... Hey, what was her focus? When she became a Lassie, what did the Falcee order her to do? It wasn't blow up Cocoon or anything like that, was it? I didn't ask. Listen to me. When a person gets cursed by a foul sea, they become a Lassie. And they get given a focus, right? How do I put this? If they don't carry it out, Lassie end up as one of those things. What I'm saying is, if your sister's gone that far... I mean... She might still... How can I... Oh, man. There's no way to turn a Lassie back into a human. Even if she completes her focus, there's no changing her fate. She'll live her life as a foul sea slave. Don't make her suffer. Just say it! Any Lassie, anyone who might ever become a Lassie should be wiped off the face of Cocoon. It's people like you that started the purge in the first place. Ah, ça, The Lightning, c'est un peu en mésentente, mais c'est vrai que bon, Saz lui dit que bah, si c'est devenu une scie, on peut pas la faire devenir normale, et il y a un risque qu'elle devienne comme ça, ou si elle accomplit sa tâche, ben voilà, ça ne sort pas d'affaire. Donc elle est un peu dans la merde, on va dire. C'est pour ça que Saz lui dit, la fait pas souffrir. Parce que apparemment, il n'y a aucun moyen de redevenir normale. Enfin, on comprend un peu mieux les raisons de Lightning. Saz aussi a des raisons d'être là, mais on ne sait pas encore. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'avait pas le choix au début là. Je sais plus c'était à quel épisode, mais je sais qu'à un moment il dit qu'il a pas le choix. S'il est venu là, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Donc enfin, on sait pas vraiment. Un poignet de force. On sait pas vraiment, mais on apprend progressivement pourquoi chaque personnage est là. Ouais, on va mettre ça. On va remettre ça là, voilà. C'est vrai que Lightning n'a pas beaucoup de PV quand même. Bon, Hope, celui qu'on a le moins. Ah, ça a quand même pris par surprise. Ça fait plaisir. Voilà, petit choc, il dure pas longtemps. La Gladius, c'est vrai que c'est une bonne arme, parce que c'est une arme d'attaque. Donc moi je l'aime bien, c'est pour ça que j'utilise c'est l'arme que j'utilise en général. Ha
Mais ça fait très mal. Ouais, on a réussi à les prendre par surprise, surtout qu'ils sont pas mal là, donc en fait non, il était détaché du groupe. D'accord. Il n'avait pas mal, mais il était pas à côté d'eux, donc c'est le rejeté, il est pas mis avec les autres. Ils sont juste à côté, mais il est là en train de les regarder. Oh, vous l'êtes mon ami? Vous l'êtes mes amis, s'il vous plaît les mecs? À moins qu'ils soient tous... Ah bah non, en fait non, ils sont tous... Ils sont tous au même endroit, mais ils sont tous détachés. Ils sont là. Oh, vous l'êtes, mes amis? Non, on a rien à foutre. Mais je remets ton ami, mais en fait, je peux pas. En fait, si, mais en fait, non. Mais en fait, on va rester là. Et on va rien faire. Ah non, peut-être que ceux-là, ils sont à deux. Ah bah non. Ils sont pas à deux. Ils sont pas amis. Ah bah tiens, lui il m'a grillé. Bon, ils sont assez moches. C'est vrai que les CS sont assez moches. Est-ce qu'il y a une entrée pour ça? Non, pas être le jour, mais histoire et légende. Alors, je vais vous lire les 6, je vous lis comme ça, vous comprenez, c'est les termes importants, je préfère vous les lire. Donc les 6. Les 6 sont la misérable forme que prennent les Lucy qui ne sont pas parvenus à accomplir dans les temps la tâche que leur a confiée un Falsy. Plus rien ne peut sauver ces créatures autrefois humaines, au cœur désormais uniquement empli de ressentiments et d'afflictions. C'est pour ça qu'on reçoit des larmes de désespoir, genre de trucs, ça ne sert à rien, c'est même pas, ça se vend même pas cher. Mais on en reçoit pas mal contre des 6. Ah, vous avez réussi à devenir amis, vous. C'est bien. Bah, ceux-là, là-bas, ils étaient 4, mais... Ils étaient tous dans leur coin. Parce que s'ils étaient amis, j'aurais pu les défoncer en même temps. Là, ça a pris un peu plus de temps, parce que je voulais faire un par un. Ok. Bon, par contre, là, il y en a un plus gros qui est plus chiant à tuer. C'est vrai que pour le prendre par surprise, c'est un peu chaud, donc il vaut mieux utiliser un furtif. Et moi, je le fais ressent. Donc, c'est un gars, c'est encore un 6, mais plus imposant. Et assez résistant aussi. Voyons voir, il a que 900 PV, on lui avait fait perdre la plupart, donc ça va. Alors, assez résistant, mais pas trop quand même, ça va. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été un petit peu chiant. Donc là, Gladius, elle est quand même pas mal, un bon design, je trouve. Et elle renforce pas mal l'attaque de Lightning. On va pas sauvegarder maintenant. Ah ouais, là il y en a pas mal. Je crois qu'on peut en esquiver certains, mais on va en esquiver un peu. De toute façon, comme je dis, c'est pas forcément utile de faire des combats. Et les 6 ne rapportent pas des trucs intéressants. Voilà, des larmes de désespoir, mais ça se revend pas cher. Ils sont utiles. Ah, par contre, là, ils sont deux ghasts. On va faire gagner du temps en utilisant un furtif. Et donc les mettre en choc. Ah. Comme ça, ça fait gagner du temps. Ça, il meurt beaucoup plus rapidement. Voilà.
C'est vrai que ça sert. J'en utiliserai pas souvent, mais quand ça peut faire gagner du temps ou que ça peut un peu faciliter le combat, sans trop me prendre la tête, je le ferai. C'est par où qu'il faut aller. Ouais, non, c'est par là, voilà. J'étais plus sûr. Ah, je crois que... Ouais, bon, on va finir le chapitre 2 dans cet épisode-là. Et que si je me souviens bien, il reste plus grand-chose. À part pas mal de cinématiques. Donc je laisse vraiment apprécier. Time to go. We have to leave before the army. What? That's a pulse brand. That girl's a Lassie. I already told you that. Pulse Lassie are the enemies of Cocoon. So they should die? Listen, if she fails her focus, you know how that'll end. And killing her is a mercy? You came. Sarah! Sarah. Is that my hero? Let's get you out of here. Hands off. I'm taking her home. Sis. I'm not your sister. You couldn't protect her. It's your fault. She can save us. Sarah? You can save us. Or protect us all. Save Cocoon. Save Cocoon? Sarah? That was your focus? Anything. I'll do anything. Leave it to me, you'll see. I'll protect Cocoon. I'll save everyone. Somehow. I'll make things right. You just relax. Thank you. Sarah! She's alive. No. The legend. Remember the legend. Lassie, who fulfilled their focus, turned to crystal and gained eternal life. It's the same with Sarah. Eternal life. She's not dead. Sarah's my bride to be. I promise to be hers forever. I don't care how many years I have to wait. It's over. Open your eyes and face reality. Sarah, does becoming a Lassie really mean losing everything? Oh, wait. What now? The army. The target is almost in place. Surface team, what is your status? Good to go. Resistance is under control. The assault proceeds as planned. Leave no trace. The pulse vestige never existed. Fire!
It must be a Sanctum strike. Bring down the vestige in the Foul Sea right with it. Aren't they taking it back to Pulse? That's what the patch was, right? All they care about is getting everything from Pulse off Cocoon. Dead or alive, it's all the same. We can't stay here. They'll kill us. I'll be right back. Hold on. Trenchcoat, where you going? Day with the Foul Sea. Got some things to talk about. What? You gonna ask it to help her? Are you out of your mind, kid? That thing wants to chew us up and spit us out. Well, what do you want me to do? Lightning? Here we go. Donc voilà, bon, on est à trois personnages, hein, Lightning toujours leader, et on est accompagné de Snow et de Saz. Ouais. Donc là, vous voyez que l'attaque de Lightning grâce au poignet de force et à la Gladius est assez haute. Donc voilà, avec tous les éléments, Sierra s'est cristallisée, elle aurait accompli sa tâche et obtenu la vie éternelle, même si bon, pour moi c'est pareillement vivre, hein. Elle est cristallisée, donc bon, dire que c'est la vie éternelle, elle est vivante, mais oui et non, quoi. On peut pas dire qu'elle vit vraiment vu qu'elle ne peut pas en profiter, donc c'est un petit peu con. Café dodo, hein, tu dors, tu profites pas de la vie. Après, c'est sûr que ça la préserve de la mort. Ça, c'est sûr, c'est une bonne protection. Mais ça préserve de la, ça protège de la vie aussi, hein, donc c'est pas vivre. Donc, voilà. Donc là, on va aller voir le Falsy. Donc ouais, ça va être la fin du chapitre. Oh, viens là. Ah, les ennemis volants, ils sont chiants. Là, pour les... Ah, je crois qu'il est rattaché à lui. Voilà, c'est assez chiant à toucher. Bon, à 3 ça va bien sûr beaucoup plus vite. Oh, il esquive tout lui. Il y a un peu de sauvegarde, mais ça serait con de s'arrêter ici. On va continuer ça. Même si c'est un peu plus long, c'est le plaisir. On est là, on est ensemble. On passe un bon moment. On va pas s'arrêter maintenant. Bon. Surtout que là, m'arrêter là, ça serait un petit peu con. Parce que le chapitre 2, il reste plus grand chose. J'en suis sûr. Il reste quasiment rien. D'ailleurs, ça ferait une vidéo plus courte. Alors, je préfère faire un max de choses dans un épisode. Et comme ça, on commencera directement le chapitre 3 dans. Enfin, le prochain, normalement c'est là, je me trompe pas. Enfin bon, on verra bien. Ah, tiens, on a eu 4 étoiles, c'est la première fois, mais bon, c'est pas. C'est pour la fin du monde, hein. On s'en fout. 5 potions, ouais, super, j'en ai pas assez. Tu peux en acheter au magasin, tu peux en trouver partout. Ouais, non, ça sert à rien, y'a rien qu'à changer. Donc ça sert à rien de vérifier. Je vais prendre un coup de coca et je vais apprécier la scène qui va suivre. Hein. So this is the Foul Sea. Sarah's a crystal now.
You gave her a focus, and she did it. You got what you want. Now let her go! Please, turn her back. I'll be your Lassie instead! Fine. You go on begging. Like this thing gives a damn what we want! Lightning! It's this thing's fault the purge started. And it's people who are dying. Sara told us to save Cocoon. That means this thing needs to die. What? Now, you really think you can kill a Fauci? I'm doing this for Sara. Dodge. I'm in. Long as you don't mind an amateur. I got these things. Might as well use them. Thanks. Et voilà, on se bat contre le Falsi Anima. Donc bon, Anima, c'est un petit clin d'œil, moi j'ai vu tout de suite. Bon, clin d'œil à FF10 où il y a une chimère qui s'appelle Anima, qui est extrêmement puissante d'ailleurs, qui déchire un peu tout. Voilà, je vous ferai FF10, sûrement sa version d'origine avant de faire le HG Remaster que j'ai commencé hier. Mais bon, voilà. C'est juste pour vous parler de petit clin d'œil, on va un peu regarder. Je sais pas si. Pas cibler, non. Ah, on peut pas cibler autre chose. Ok. Ça me semblait qu'il y a des cibles à côté en fait. Ah, c'est bon. Voilà. J'avais pas vu. J'avais pas putain. J'avais pas. Ah, mais c'est ce que j'ai. Ah, ils ont dû apparaître. Ils ont dû apparaître après. Parce que j'avais pas pu changer. Vraiment les cibles. Coup de potion. Ça lui fait perdre beaucoup de vie. C'est vrai que je fais pas attention à la vie en fait. Je vais me soigner un max. Vu qu'elle est en bas et tout, enfin je regarde pas forcément en fait. Bon, heureusement je m'en sors toujours, mais bon, on va éviter d'avoir des game over. Même si ça peut. Ça pourra arriver, mais bon. Ce sera surtout sur pour une erreur d'inattention. On va niquer les manipulateurs, je sais plus si c'est vraiment nécessaire. Mais je fais quand même parce que peut-être je crois que ça l'affaiblit, parce que je crois qu'il est en récupération et donc il nous attaque pas. On est tranquille. Et là on va le brûler. Bon, c'est même pas la peine de le mettre en choc, il a essayé à 300%. Donc pour réussir à le mettre en choc, c'est pas trop possible. Je vais en profiter pour utiliser une potion. Et on va niquer le manipulateur gauche. Et droit. Ils font quand même assez mal, hein. Je perds beaucoup de vie là. Voilà, ça devrait aller. Ah, je pense que ça va être bon. Huh?
Voilà, Falsi Anima est détruit en 5 étoiles en 2 minutes 7. Oh, j'aurais peut-être pu être plus rapide, mais bon, j'ai 5 étoiles, ça va. Et code de médecine qui peut être intéressant en début de jeu pour justement les potions. And I was afraid. When the future was clear and it hurt to see, I'd just close my eyes and lose myself in happier days. Ok, bon, voici ce qui conclut le chapitre numéro 2. C'est vrai que la thématique était vraiment énorme, et là, le lac qui s'est transformé en. Enfin, qui est devenu du cristal. C'est vrai que c'est assez énorme. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quelle durée fait cet épisode, mais on s'en fout, on a fini le chapitre 2, on est content. Et donc j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cet épisode. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de mes aventures. Et Assassin's Creed qui devrait reprendre, il faut quand même, ça fait un petit moment. J'ai les épisodes sont tournés, mais à chaque fois je les mets pas. Donc j'espère que même avant que j'aurais mis cet épisode là, que Assassin's Creed sera revenu. Enfin bon. Voilà. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.